وَمَا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل، واجعلنا من عبادك الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. إن شاء الله aujourd'hui nous allons aborder le cinquième hadith qui est dans le quatrième sous-chapitre. Donc, Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Bukhari rahimahullah rapporte: Haddathana Musa ibn Ismail qala haddathana Abu Awana qala haddathana Musa ibn Abi Aisha qala haddathana Sa'id ibn Jubayr an ibn Abbas fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه له في صدره أو في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. Donc l'imam al-Bukhari rapporte selon une chaîne de transmission qui va jusqu'à Saïd ibn Jubayr, qui rapporte qu'en interprétant cette parole divine, ce verset, n'agite pas ta langue pour le hâter. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam éprouvait de la souffrance ou de la difficulté en recevant la révélation, et il remuait souvent ses lèvres. Et Ibn Abbas de dire au présent, ceux à qui il rapportait ses dires: regardez, je vais remuer mes lèvres comme faisait l'envoyé d'Allah. Et Saïd, ça veut dire Saïd ibn Jubayr, qui a rapporté ces paroles de Abdullah ibn Abbas. Donc, et Saïd de dire à son tour: je vais les remuer comme j'ai vu Ibn Abbas le faire. Et il remua ses lèvres. Donc cette partie-là, vous n'allez pas la trouver dans le livre. Pourquoi? Parce que dans le livre, il s'est contenté de citer seulement les paroles directes de Abdullah ibn Abbas. Et donc cette phrase-là de Saïd ibn Jubayr, il ne la rapporte pas. Dans ces circonstances, Dieu fit descendre ces versets: n'agite pas la langue pour le hâter, c'est à nous de l'assembler et d'en fixer la lecture. Et ça, c'est dans Sourate Al-Qiyamah. Ibn Abbas, interprétant ces versets, disait: c'est à Dieu qu'incombe de rassembler le Coran dans ta poitrine pour te faciliter sa récitation. Puis Ibn Abbas continua l'interprétation des versets suivants: suis sa récitation lorsque nous le récitons. C'est-à-dire, donc là c'est Ibn Abbas qui va parler, écoute et sois attentif à sa récitation. Enfin ce verset, c'est à nous qu'il appartient ensuite de le faire comprendre. C'est-à-dire, donc là c'est Ibn Abbas qui va parler, donc il va expliquer ce verset, c'est à nous de le rendre facile à réciter. Après cela, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez, donc là c'est Ibn Abbas qui parle, écoutez attentivement la récitation de Jibril quand il venait le trouver, et dès que l'ange le quittait, il récitait le Coran comme Jibril le faisait. Alors ce hadith, on le retrouve dans le Sahih al-Bukhari six fois, donc ça c'est la première fois. Et les autres fois, on va le trouver sous le numéro 4927, ensuite 4928, 4929. Et pourquoi cette suite-là? C'est parce qu'on va le trouver dans le chapitre de l'exégèse. Donc lorsque l'imam al-Bukhari va
ramener ou bien rapporter tous les hadiths qui concernent Sourate Al-Qiyamah, il va citer ce hadith trois fois. Ensuite, il y a ce même hadith sous le numéro 5044 et enfin sous le numéro 7524. Alors, le compagnon qui rapporte ce hadith, c'est Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui est, comme vous le savez, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Son père, c'est Al-Abbas ibn Abdi al-Muttalib. On le surnomme Habru al-Ummah wa Turjuman al-Qur'an. Habru al-Ummah, ça veut dire l'érudit de la communauté, le grand savant de la communauté musulmane. Et Turjuman al-Qur'an, ça veut dire l'interprète du Coran, parce qu'il avait énormément de savoir, aussi bien dans la jurisprudence que dans l'exégèse du Coran. Et c'est considéré comme la plus grande référence des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'exégèse du Coran. Il est né 3 ans avant l'Hégire, donc il était très très jeune lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli l'immigration. Et son père, comme son père l'Abbas, qui est l'oncle du prophète, a tardé à se convertir à l'islam, mais il a toujours soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le début, mais il a tardé à se convertir à l'islam, donc il s'est converti tardivement et il n'a accompli l'immigration qu'en l'an 8 de l'Hégire, donc il n'a pas immigré avec les musulmans, et donc il a accompagné avec lui son fils. Donc Ibn Abbas ne s'est déplacé à Médine que vers l'âge de 11 ans. Mais en cours de leur chemin, donc en allant vers Médine, ils ont croisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la région de Al-Juhfa. Al-Juhfa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de Médine pour la conquête de la Mecque. Et donc, et c'est là où ils ont trouvé donc l'armée musulmane qui venait vers la Mecque. Et Al-Juhfa, ça fait partie de l'mawaqit de l'Hajj. Vous savez, il y a de l'Hulaifa, ce qu'on appelle aujourd'hui Abiyar Ali, donc ça c'est pour les gens qui viennent pas de Médine. Et le Juhfa, ça c'est le Miqat, c'est à partir duquel on doit entrer en sacralité, en sacralisation, c'est-à-dire lorsqu'on fait le Umrah ou bien lorsqu'on fait le Hajj. Mais ce Miqat là, il est pour les gens qui viennent de l'Égypte ou bien les gens qui viennent du Maghreb, le Juhfa. Et aujourd'hui, en Arabie Saoudite, ça se trouve à côté de la ville de Rabir. La ville de Rabir qui se trouve à peu près à 183 km de la Mecque. Donc c'est là où ils ont donc rejoint l'armée musulmane. Et c'est à partir de là que Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, donc n'a pas cessé de côtoyer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et d'apprendre de lui. Et vu qu'il était très jeune, donc il ne se gênait pas d'aller poser les questions. Lorsqu'on est jeune, on a beaucoup plus de facilité à poser des questions au prophète que quelqu'un qui est âgé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation spéciale pour Abdullah ibn Abbas. Il a dit Allahumma faqihhu fi din. Et dans une autre version, il a rajouté wa allimhu ta'wil. Mais la version la plus authentique, c'est ça, Allahumma faqihhu fi din. Oh Allah, accorde-lui la faveur de comprendre la connaissance religieuse. C'est comme ça que l'imam Bukhari a rapporté cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, Allah Azza wa Jalla exauça l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'avantage de Abdullah ibn Abbas. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Ibn Abbas était encore très très jeune. Et donc il a, à l'époque de, après la mort de Abu Bakr, Omar ibn Khattab l'a pris comme un de ses conseillers. Et il était encore très très jeune, très très jeune. Et Omar ibn Khattab, il le surnommait le jeune des âgés, Sagir al-Kuhul. Le Kuhul, c'est le Kahl. C'est lorsqu'on dépasse les 40 ans, on est surnommé le Kahl. Donc ça, c'est pour les étapes de l'avancée dans l'âge. Et lui, il l'appelait le jeune des âgés. Donc et pourtant, il était un bon conseiller auprès de lui. Après, donc, Omar ibn Khattab est tombé martyr, il a été tué. Uthman ibn Affan l'a nommé en l'an 35 de l'Hijr à la tête des pèlerins. Vous savez, lorsque on organisait le pèlerinage, les califs, si ce n'est pas eux qui dirigeaient la délégation qui va accomplir le pèlerinage, ils choisissaient quelqu'un de un grand référent
pour gérer tous les pèlerins. Imaginez lorsque vous avez des dizaines de milliers de personnes, et il a opté pour le choix de Abdullah ibn Abbas. Ce n'est pas pour rien, c'est pour son savoir, sa sagesse à diriger et à enseigner et à répondre aux questions. Il a combattu aussi auprès de Ali ibn Abi Talib dans la bataille de Jamal. Il a combattu auprès de lui dans la bataille de Siffin. Il a même combattu auprès de lui contre les Khawarij dans la bataille de Nahrawan. Nahrawan. Ali ibn Abi Talib a combattu le Khawarij qu'on appelait à l'époque l'Haruriya. L'Harur a dit c'est une ville qui vient qui est dans le côté de Najd. Et c'est le professeur Asma avait prédit qu'il y aura des extrémistes qui vont apparaître de cette région. C'est pour ça qu'on les a appelés Al-Haruriya. Et donc, à un moment, Abdullah ibn Abbas a dit à Ali ibn Abi Talib, envoie-moi, laisse-moi aller discuter avec eux. Parce qu'eux, ils ont commencé à avoir des positions tranchées et très extrémistes par rapport à la religion. Ils ont commencé à rendre impies beaucoup de musulmans et kfaro. C'est là où la première vague de tkfir est apparue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les extrémistes, on les appelle les nouveaux kharijites. Et donc, Ibn Abbas, il lui a dit, laisse-moi aller discuter avec eux, religieusement parlant. Et Ali ibn Abi Talib, il a dit, ben d'accord, je te laisse aller discuter avec eux. Et il est parti les rencontrer. Et ils ont dit, ben c'est le compagnon du prophète, on ne va pas le tuer, surtout qu'il vient en paix. Et donc, il est resté avec eux. Il y a eu une longue discussion avec eux, on la trouve dans les livres. Et il était très, très, très perspicace et très intelligent dans la manière où il a commencé à les convaincre. Et ils étaient 6000 lorsqu'ils étaient présents pour discuter avec lui. Et à la fin du débat, il a réussi à convaincre 2000 personnes. 2000 sur 6000, le un tiers, qui sont revenus avec lui. Donc dès qu'il a rebroussé chemin, ils ont dit, on te suit, ça y est, on rejoint Ali ibn Abi Talib. Et on quitte cette tendance, ce mouvement-là. Et donc il a réussi à gagner 2000 personnes avec lui. Et Ali ibn Abi Talib l'a nommé comme gouverneur de Al-Basra entre l'an 36 et l'an 39 de l'Hégire. Et après cela, donc l'imam Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu dirigeait à Médine des grandes assises hebdomadaires de savoir, où il transmettait le savoir. C'est pour cela qu'on vous dit qu'il y a toujours eu une chaîne de transmission depuis le compagnon jusqu'à notre époque. Déjà, Abdullah ibn Abbas donc, a joué ce rôle-là de trait d'union entre l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour transmettre l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux générations suivantes. Et c'est ce qui était particulier chez lui, c'est que chaque jour, il enseignait une science particulière. Chaque jour. Donc le premier jour, il enseignait la jurisprudence islamique. Le deuxième jour, il enseignait l'exégèse du Coran. Troisième jour, Il enseignait le Marazi. Le Marazi, ce sont la partie une partie de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui concerne tous les combats qu'il a menés. Ensuite, le jour d'après, il enseignait la poésie arabe. Et le dernier jour, donc, il enseignait l'histoire des Arabes. Donc, vous voyez, à lui seul, il était une université. À lui seul, il était une encyclopédie de savoir. Et il a rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam 1696 hadiths. Donc il fait partie de Al-Mukthirun As-Sab'a. Rappelez-vous, on en a parlé hier, comme Anas ibn Malik, comme Aisha radiallahu anha, comme Abu Sa'id al-Khudri, ainsi de suite. Donc dès qu'on dépasse 1000 hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a rapporté sur lui, on est considéré parmi cette catégorie de rapporteurs de hadith. Donc lui, il en fait partie. Politiquement parlant, il a refusé de donner son allégeance à Yazid ibn Muawiyah. Donc il n'était pas d'accord sur la royauté de Yazid ibn Muawiyah, ni sur d'ailleurs celle de son père, de Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il n'a pas voulu non plus donner son allégeance à Abdullah ibn Zubayr. Il n'a pas voulu donner son allégeance à Marwan ibn al-Hakam. Et c'est pour cela qu'il a quitté les grandes villes musulman très connu, donc où il s'est réfugié à At-Ta'if, et c'est là justement qu'il a terminé sa vie. Il a perdu sa vue à la fin de sa vie et il est mort à At-Ta'if en l'an 68 de l'Hégire.
Il fait partie de ce qu'on appelle al-abadilah al-arba'a. Lorsque dans les livres vous entendez al-abadilah al-arba'a, ça fait référence aux quatre Abdullah, qui sont les quatre compagnons qui s'appelaient tous, dont le prénom était Abdullah. Donc il y a Abdullah ibn Mas'ud, il y a lui, Abdullah ibn Abbas, il y a Abdullah ibn Omar, ibn al-Khattab, et il y a Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc dès que vous entendez al-abadilah al-arba'a, ça fait référence à ces quatre-là. Donc et lui, il en fait partie. Il en est de même lorsque dans les livres vous entendez Ibn Abbas, Ibn Abbas, ça fait automatiquement référence à Abdullah. Et pourtant son père l'Abbas, il avait 10 garçons, comme par exemple Fadl Ibn Abbas, comme Ubayd Ibn Abbas. Mais lorsque vous entendez Ibn Abbas, vous occultez les nafrotres. Ça fait référence directement à Abdullah Ibn Abbas, puisque c'est lui la référence au niveau du savoir, et c'est lui qui rapporte beaucoup de hadiths. Donc Ibn Abbas, c'est automatiquement Abdullah et non pas ses autres frères. Et parmi ses disciples les plus célèbres, qui sont devenus des sommités, on peut citer Saïd ibn Jubair, et d'ailleurs on le retrouve dans ce hadith, c'est lui qui rapporte sur lui ce hadith, Saïd ibn Jubair, qui est mort en l'an 95 de l'Hijr. On trouve Ikrima Mawla ibn Abbas. Alors Ikrima, celui-là, qui est mort en l'an 105 de l'Hijr, on l'appelle aussi, on surnomme le Barbari, parce qu'il est venu du Maghreb, c'est un berbère. Et il est venu, donc il était un esclave chez quelqu'un, qu'il a donné par la suite à Ibn Abbas, et Ibn Abbas l'a pris, l'a élevé comme son propre fils. Voilà pourquoi on l'appelle Mawla Ibn Abbas. Et lorsque vous entendez Mawla, ça signifie soit c'est quelqu'un qui était esclave auprès d'un maître et il l'a affranchi, soit c'est quelqu'un qui s'est converti grâce à ce maître-là, et après on le rattache à ce maître-là. Donc en l'occurrence, c'était quelqu'un qui l'a pris, qui était auparavant esclave, qui a été affranchi, et lui il l'a pris et il l'a élevé, et c'est devenu comme son fils. C'est pour ça qu'on parle de Ikrima Mawla ibn Abbas. On trouve aussi Mujahid ibn Jabr, et celui-là on le retrouve souvent dans les exégèses du Coran. Mujahid, vous entendez parler de Mujahid, il est mort en l'an 104 de l'Hijr. On trouve Tawus ibn Kisan, qui est mort en l'an 106 de l'Hijr, et on trouve Ata ibn Abi Rabah. Ata, il était considéré comme le plus grand spécialiste de fiqh du pèlerinage. C'était une grande référence dans la jurisprudence du pèlerinage. Il est mort en l'an 114 de l'Hijr. Alors commençons par la première partie du hadith. Donc Ibn Abbas, radiallahu anhu, en interprétant ce verset coranique de Sourate Al-Qiyamah, لا تحرك به لسانك لتعجل به. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation, a dit. Donc là, Ibn Abbas, lui, il va donner. Donc tout le hadith, c'est l'explication de Ibn Abbas de ces versets-là. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, éprouvait de la souffrance en recevant la révélation. Et ça, on l'a déjà vu. Et il remuait souvent ses lèvres. On en a parlé d'ailleurs. Il ajouta. Donc Ibn Abbas ajouta, moi aussi je peux remuer mes lèvres comme faisait l'envoyé d'Allah. Et il a commencé à remuer les lèvres exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Alors dans ce hadith, Ibn Abbas, donc comme j'ai dit, il donne une exégèse de 4 versets, du verset 16 au verset 19 de Sourate Al-Qiyamah, Sourate 75. Et cette sourate, à l'unanimité, il fut révélée à la Mecque. C'est une sourate mécoise. Et il était révélé parmi les premières sourates du Coran, puisque c'est au début que le prophète sallallahu alayhi wa sallam remuait la langue. On a parlé de ça lorsque Jibril alayhi salam lui révélait des versets. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à répéter les versets avant que l'ange Jibril ne termine la révélation. À peine il commence à lui dire la phrase, Ar-Rahman allama al-Qur'an, par exemple, il va dire Ar-Rahman allama, avant d'entendre le reste, Ar-Rahman allama al-Qur'an. Il répétait avec sa bouche et avec sa langue et avec ses lèvres, et donc c'est là où Allah Azza wa Jal lui a dit ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Et c'est pour cela qu'on dit que c'était au début de la révélation que cette sourate a été révélée. Mais bien entendu, comme on a dit, Ibn Abbas radiallahu anhu est né 3 ans avant l'Hijr, et cette sourate a été révélée bien avant qu'il ne soit né. Donc comment se fait-il que lui, il dit, voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam remuait sa langue. Une chose est certaine, c'est qu'il ne l'a pas vu le faire directement, c'est qu'il n'était pas présent à la révélation de cette sourate. Donc il a dû entendre ces paroles-là,
du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien d'un compagnon. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dû lui expliquer comment il faisait. Et comme je vous ai dit, comme il était jeune, il pouvait oser poser les questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui dire, ya Rasulallah, comment la première fois ça t'est arrivé, comment tu... Il va lui dire, voilà comment je faisais, voilà pourquoi Allah azza wa jalla m'a dit, ne remue pas ta langue. Ah bon, tu l'as remué comment? Donc peut-être qu'il lui a posé des questions de la sorte, ou bien il a posé des questions à des grands compagnons, et eux, ils lui ont dit, ben voilà comment on le voyait faire. Ou bien c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui disait, voilà comment je faisais. Et donc Ibn Abbas, lorsqu'il a rapporté ce hadith à Saïd ibn Jubair, à ses élèves, parmi lesquels il y avait Saïd ibn Jubair, il leur a dit, et voilà comment il faisait. D'accord ? Et il a imité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Saïd ibn Jubair qui a rapporté ce hadith-là, il lui a dit, et je vais vous dire comment j'ai vu Ibn Abbas remuer sa langue, et ses lèvres. Et ça, c'est ce qu'on appelle at-tasalsul, al-musalsal, ou bien at-tasalsul. Ça veut dire, c'est une manière avec laquelle on va rapporter un fait, ou un geste, ou une parole d'une génération à une autre, sauf que cette manière de bouger la langue ou les lèvres, elle s'est arrêtée d'être transmise par les narrateurs. Donc on ne connaît pas quelqu'un qui a expliqué comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam bougeait sa langue d'une manière effective. Donc on ne sait pas. Donc Ibn Abbas l'a montré, Saïd ibn Jubair l'a montré, et les autres narrateurs n'ont pas commencé à montrer, parce que si c'était le cas, ça pouvait arriver jusqu'à nos jours et dire voilà exactement comment il bougeait sa langue. C'est comme par exemple ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il mesurait le volume de produits, des denrées alimentaires pour zakat par exemple, on l'a transmis d'une génération à une autre. Bien, exactement lui-même, ou bien ça, c'est-à-dire un sa qui lui ressemble exactement dans le volume. Et vous trouvez des gens qui te disent, j'ai un sa que j'ai reçu par une chaîne de transmission valide jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici le sa de Médine, comment il était. D'accord. Alors, donc dans le hadith, Ibn Abbas il dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'alijou min at-tanzil. Al-mu'alaja, c'est essayer une chose avec difficulté. Avec le temps, c'est devenu le mu'alaja, comme l'ilaj, ça veut dire lorsqu'on se soigne, on dit u'alij, je soigne une maladie, u'alij had al-marad, u'alij nafsi, je me soigne. Mais au départ, dans l'arabe, la langue arabe, le mu'alaja, ça veut dire essayer une chose avec difficulté. Et plusieurs donc hadiths confirment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentait de la difficulté et une certaine souffrance lorsqu'il recevait la révélation, on en a déjà parlé. Elle se manifestait de différentes manières, soit par le changement de la couleur du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On disait que son visage, il devenait rougeâtre et noir, entre la rougeur et la noirceur. Donc on voyait qu'il changeait de visage. On voyait ses yeux qui se fermaient, qui s'ouvraient, et on voyait qu'il souffrait. On voyait la sueur qui tombait de son front, et ça, Aïcha l'a confirmé, même pendant des jours qui sont très froids. Il avait une sorte d'étouffement. On voyait que sa respiration, elle se bloquait. Il avait de l'angoisse, le karb. Et il devenait lourd. Rappelez-vous, lorsqu'on a cité le hadith d'un compagnon qui disait, Anas ibn Malik, lorsqu'il avait sa jambe sur la mienne et qu'il a reçu la révélation, j'avais l'impression que ma jambe allait se couper en deux. Et on a vu même la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam tomber, tellement le prophète il était sur elle, il a reçu la révélation, la chamelle était, tellement le prophète est devenu lourd que la chamelle est tombée. Donc tout cela prouve justement qu'il souffrait. Et ça se manifestait de ces différentes manières. Les savants ont divergé sur l'explication de cette phrase qu'a dit Abdullah ibn Abbas lorsqu'il a dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من شدة من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. Cette syntaxe là, cette tournure du phrase, il est un peu particulière, et c'est pour cela que les savants ont divergé, et c'est pour cela que toutes les traductions que vous allez trouver, elles vont être différentes les unes des autres. Certains vont dire c'est à cause de cela qu'il bougeait sa langue. Il sentait de la souffrance, et c'est à cause de cela qu'il bougeait sa langue. Et d'ailleurs, c'était l'avis d'un commentateur de Sahih al-Bukhari, qui s'appelle Shamsuddin al-Kirmani. Lui, c'est ça son avis. Il dit que c'est à cause de la souffrance qu'il bougeait sa langue. Mais l'imam ibn Hajar al-Asqalani, il dit non. Il dit la souffrance était là avant même qu'il ne commence
à bouger sa langue. Et c'est pour cela donc que les traductions vont changer, selon si le traducteur va prendre en compte l'avis de l'Kirmani ou il va prendre l'avis de Ibn Hajar al-Asqalani. Et certains vont dire, non, c'est deux choses indépendantes. Il souffrait à cause de la révélation et il bougeait souvent sa langue. Deux choses qui sont indépendantes, l'une de l'autre. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam remuait la langue pendant la révélation, c'est pour répéter les paroles qu'il recevait afin de ne pas les oublier. Et en rapportant ces faits, Ibn Abbas montra à ses interlocuteurs la manière avec laquelle le messager remuait ses lèvres. Donc ça, je viens de le dire. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit « Ne remue pas ta langue ». Et Ibn Abbas parla de remuement des lèvres, de remuement des lèvres. Allah Azza wa Jalla dit « La tuharrik bihi lisanak, ta langue ». Et Ibn Abbas, il a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam bougeait ses lèvres, il parlait des lèvres et non pas de la langue ». Mais les savants disent que c'est la même chose, puisque lorsque tu bouges tes lèvres, lorsque tu répètes la phrase, tu bouges en même temps tes lèvres et ta langue. Parce qu'il y a des lettres dont le point d'articulation se trouve au niveau des lèvres, comme le ba, ma. Et il y a des lettres dont le point d'articulation se trouve au niveau de la langue. Deuxième partie du hadith. Dans ces circonstances, dit Abdullah ibn Abbas, Dieu fit descendre ces versets. La tuharrik bi lisanaka lita'jala bih, inna alayna jam'ahu wa qur'ana. N'agite pas la langue pour le hâter, c'est à nous de l'assembler et d'en fixer la lecture. Et Ibn Abbas va expliquer ce passage en disant, c'est à Dieu qu'incombe de rassembler le Coran dans ta poitrine pour te faciliter sa récitation. Donc Dieu s'est engagé à rassembler le Coran dans la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire à ce qu'il le mémorise. C'est pour cela qu'il l'a rassuré, ne t'empresse pas de le répéter avant qu'il ne se termine, ne soit terminé. Il y a une révélation. Puis Ibn Abbas continua l'interprétation. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا. Suis sa récitation lorsque nous le récitons. Ibn Abbas a dit, ça veut dire, écoute et sois attentif à sa récitation. Enfin, le dernier verset, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا. C'est à nous qu'il appartient ensuite de te le faire comprendre. Et Ibn Abbas a dit, ça veut dire, c'est à nous de le rendre facile à réciter. Voilà comment donc Ibn Abbas a interprété et a expliqué ces versets. Donc Allah Azza wa Jalla demanda au messager de ne pas craindre l'oubli de la révélation et le rassura que c'est à lui qu'incombe l'assemblage du Coran dans son cœur ainsi que dans que sa compréhension. Et ça, on l'a expliqué les dernières fois, il y a quelques semaines, ou quelques jours, lorsqu'on expliquait Sourate Al-A'la, lorsqu'il a dit « Sanuqri'uka fala tansa ». On a parlé de ça dans le détail, donc on ne va pas revenir là-dessus. Troisième, donc la dernière partie du hadith, Ibn Abbas dit « Après cela, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, écoutait attentivement la récitation de Jibril, et quand celui-ci partait ou le quittait, il récitait le Coran comme Jibril le faisait. » Donc là, vous voyez que ce hadith-là, il a été cité par Al-Bukhari. Pourquoi ? Parce que le titre, dans ce chapitre, parce que le chapitre, c'est quoi ? C'est le chapitre du début de la révélation. Donc il est en train de nous expliquer comment était la révélation au début. Il était comme ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répétait au début avec Jibril, avant même qu'il ne termine. Mais par la suite, il a commencé à attendre que Jibril termine la révélation pour commencer à réciter. Donc c'est pour ça que le Bukhari donc il nous ramène tous les hadiths qui vont expliquer ce pourquoi il a mis ce chapitre qu'on appelle en arabe le kitab. Et le kitab c'est tout ce qui rassemble, on l'appelle le kitab. Kitab c'est le chapitre qui rassemble des faits ou bien un savoir qui se ressemble. Lorsqu'on parle en arabe de le katiba c'est la brigade qui rassemble un groupe de soldats, par exemple. On appelle ça le katiba. Tout ce qui rassemble, on l'appelle kitab. Maintenant, on va passer à l'autre hadith. Donc, vous allez voir, on va aller un peu plus vite dans la citation des hadiths maintenant. Donc, cinquième sous-chapitre, mais il n'a pas donné de titre, l'imam al-Bukhari. Et c'est le hadith 6. Donc, al-Bukhari, rahimahullah, dit « Haddathana Abdan ». Alors, c'est qui Abdan ? C'est Abdullah ibn Uthman al-Marouzi. Vous allez trouver seulement Abdan. Vous n'allez pas le trouver ça dans votre livre. Puisque le Mukhtasar de Zabidi, il ne cite pas toute la chaîne. Moi, je vous donne ici la chaîne telle qu'elle a été mentionnée chez l'imam Bukhari.
dans Sahih al-Bukhari, et je vous donne des précisions sur ceux qui ont le nom de ceux qui, dont il parle. Mais le but, c'est pas de rentrer dans les chaînes de transmission, comme je vous ai dit. C'est, on parlera parfois du compagnon et directement après du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voire même de tabi'i s'il y a intérêt à le faire. Mais pour les autres, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, حدثنا عبدان, qui est Abdullah ibn Uthman al-Marouzi, قال, أخبرنا عبد الله, il fait référence à Abdullah ibn al-Mubarak. Comment on le sait? C'est parce que Abdan est l'élève de Ibn al-Mubarak, et c'est lui qui rapporte de lui le maximum de hadith. Donc, Bukhari, lorsque lui il parle à des gens qui maîtrisent. Donc, dès que, je sais pas, par exemple, dans notre mosquée, si on vous dit Abd al-Qadr, donc tout de suite, vous savez, c'est Abd al-Qadr Fandou. Il n'y en a pas deux. D'accord? Mais pour quelqu'un qui n'est pas de la ville, tu lui dis Abd al-Qadr, mais c'est qui ce Abd al-Qadr et tout? Ben, va demander à ceux qui, auprès de qui celui qui a parlé a dit Abd al-Qadr, parce qu'eux, ils savent. Donc le Bukhari, lorsqu'il dit Haddathana Abdan, ceux à qui il parle, ils savent que c'est Abdullah ibn Uthman al-Marouzi. Qal Haddathana Abdullah, ça veut dire c'est Abdullah ibn al-Mubarak. Qal Akhbarana Yunus, ça veut dire c'est Ibn Yazid ibn Mishkan. C'est ça son vrai nom. Mais lui, il va dire que Akhbarana Yunus. Ani Zuhri, ha. Regardez ce ha-là que j'ai mis en rouge. Hada, c'est ce qu'appellent les savants At-Tahwil. Et ça, on le trouve souvent dans Sahih Muslim et dans Sahih Abu Daoud. Vous lisez la chaîne de transmission et vous voyez cette lettre ha. Et vous dites, ça veut dire quoi cette ha? Tahwil ici, c'est pour vous montrer que cette chaîne de transmission, il y a une bifurcation qui va venir au niveau de cette personne-là. La chaîne de transmission de Bukhari, sur selon un tel, selon un tel, selon un tel. Et lorsqu'il arrive à une certaine personne, on le corrige ceci, c'est l'imam Zuhri. Vous regardez, avant le ha, vous avez l'imam Zuhri. Ibn Shihab Zuhri. Donc après, il dit, وحدثنا. Donc, وحدثنا, qui parle ici? C'est Al-Bukhari. Il dit, et ainsi que Bishr ibn Muhammad nous a rapporté sur Abdullah. Qui est Abdullah? Donc là, forcément, il fait Abdullah ibn Mubarak. Qu'il a rapporté sur Younes ainsi que sur Ma'mar, et Ma'mar c'est Ibn Rashid Abu Urwa, que l'imam Zuhri a dit ce que je veux vous dire. Donc là, il nous a ramené deux chaînes de transmission qui se retrouvent, donc l'intersection qui va se faire au niveau de l'imam Zuhri. Donc le hala, ça veut dire tahwil, bifurcation. D'accord, on s'arrête là et je vais vous ramener une autre chaîne de transmission qui va arriver jusqu'à l'imam Az-Zuhri. D'accord, chez le Bukhari, il n'y en a pas beaucoup, mais vous allez la trouver beaucoup chez l'imam Muslim ainsi que chez Abu Daoud. Donc il dit donc وحدثna Bishr ibn Muhammad قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر, donc les deux ont rapporté sur Az-Zuhri, Ani Az-Zuhri, نحوه, yani نحوه, ça veut dire la même chose. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. Donc c'est là où on arrive à ابن عباس. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Pourquoi j'insiste sur où أجود؟ Parce que l'imam Nawawi, il dit, on peut aussi lire ajwada, wa kana ajwada ma yakunu. Mais le plus probant, selon les savants, c'est wa kana ajwadu ma yakunu. Parce que ajwadu, c'est le mubtada de kana. Et le khabar, il est caché. Vous savez, kana, donc il a le mubtada, le khabar, donc le mubtada avec le dhamma, il est marfou, ou le khabar, il est maftouhan. Mais si vous entendez quelqu'un qui dit « وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُنُ فِي رَمَضَانَ » ça se dit aussi. Imam Nawawi l'a confirmé. Donc, là on va partir dans un résumé. Donc, Imam al-Bukhari rapporte avec deux chaînes de transmission jusqu'à Ibn Abbas radiallahu anhu qu'il a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Il était le plus généreux le mois du Ramadan lorsque Jibril le rencontrait chaque nuit » pour l'enseignement du Coran. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était certes plus généreux que le vent porteur de la pluie. On expliquera ce que cela veut dire. Alors, le rapporteur de ce hadith est toujours Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, et il témoigne que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était le plus généreux des hommes.
Il a commencé déjà par cette phrase. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Et ensuite il a dit, et il était encore plus généreux le ramadan. Les savants ont dit, pourquoi Ibn Abbas n'a pas dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très généreux le ramadan, pendant le mois de ramadan? Parce que s'il s'est contenté de dire cela, cela peut supposer qu'il n'était pas généreux dans les autres mois. Donc il a déjà dit, il a posé déjà le principe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes. Il n'y avait pas quelqu'un plus généreux que lui. Voilà. Et il était encore plus généreux le mois du ramadan. Donc là, il exclut toute pensée négative vis-à-vis de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est confirmé par plusieurs compagnons comme Anas ibn Malik, qui a témoigné de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur, le plus généreux et le plus courageux parmi les gens. Kana ahsana an-nas wa kana ajwada an-nas wa kana ashja'a an-nas. Donc tout le monde rapporte cela sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la générosité ne se limite pas au côté à la bienfaisance financière. La générosité, elle englobe tout. Il était généreux même lorsqu'on lui pose une question et il répondait. Il ne se contentait pas de donner que la réponse à la question. Parfois il s'élargissait et il te donne quelques enseignements à côté. Et ça on le trouve souvent dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon celui qui s'adresse à lui. Donc la générosité, quelqu'un qui te demande de l'argent, tu lui donnes, quelqu'un qui te demande de l'aide, tu lui donnes, quelqu'un qui t'invite, tu réponds à son invitation, tout ça fait partie de la générosité. Et les savants disent la générosité, c'est de donner ce qu'il faut à celui qui le mérite. C'est ça la générosité. Donc la rencontre avec Jibril alayhi salam pendant les nuits de Ramadan rendait le messager encore plus généreux, et ceci pour trois raisons. Donc là, lorsque Ibn Abbas a dit, et il était encore plus généreux le ramadan, il a dit, lorsque Jibril venait pour étudier avec lui le Coran. Donc il y a trois choses qui rendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup plus généreux pendant le mois du ramadan. La première chose, c'est déjà la rencontre avec Jibril. D'habitude, lorsqu'on fréquente les gens qui sont vertueux, on devient plus généreux, on s'attache plus à l'islam. Pourquoi ? Parce qu'ils nous rappellent Dieu, parce qu'ils nous font des exhortations, parce qu'ils nous donnent des conseils. Si tu es avec un radin, tu vas devenir radin à force. Si tu es avec quelqu'un de généreux, tu vas devenir généreux. Si tu es avec quelqu'un qui est pieux, tu vas devenir pieux. Donc le simple fait de rencontrer déjà, de croiser Jibril pendant tout le mois du ramadan, chaque nuit, ça rendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam généreux. Tu es en contact avec celui qui a été envoyé par Dieu. D'accord ? Donc c'est... La vie te paraît comme rien, insignifiant. Tout ce que tu as, tu le donnes. Je suis avec Jibril, c'est pas n'importe qui. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que c'est le mois du Ramadan. Et le mois du Ramadan, c'est le mois de la bienfaisance et c'est le mois où Allah Azza wa Jal multiplie les récompenses. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'activait encore plus dans sa générosité. Et la troisième raison, c'est parce qu'ils étudiaient le Coran. Et forcément, lorsque tu étudies le Coran, beaucoup de versets vont t'interpeller, beaucoup d'enseignements vont t'interpeller, y compris... Et ni l'incitation à la générosité. Et Jibril donc rencontrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque soir. فَكَانَ يُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. Ad-dars dans la langue arabe. Ad-dars signifie la lecture rapide. On appelle ça ad-dars. Lorsqu'on dit yudarisuhu, ça fait référence à al-mudarasa. Al-mudarasa, ça rime avec al-mufa'ala. Et lorsqu'on parle de mufa'ala, c'est qu'il y a toujours une action, une interaction entre deux personnes ou plusieurs personnes. Donc yudarisuhu, ça veut dire qu'il y a une interaction entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril alayhi sallam. Et c'est pour cela que certains ont dit ils récitaient tous les deux le Coran. Ça veut dire soit Jibril par exemple va réciter une partie du Coran et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va réciter une autre partie. Et ça c'est bien lorsqu'on veut apprendre le Coran, on est devant un maître, c'est bien de temps en temps, tu récites et lui il récite, tu récites et lui il récite. C'est une très bonne méthode, c'est ce qu'on fait d'ailleurs les lundis lorsqu'on on se réunit pour apprendre le Baqara. Donc on récite et les autres récitent, ça s'appelle le Mudarasat al-Qur'an. Donc on suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Jibril alayhi sallam lorsqu'on fait ça. Ou bien ils lisent tous en même temps, les deux en même temps. Ça suppose aussi ça, le Mudarasat. Donc ça c'est la deuxième possibilité. Et dans une autre version, il est dit فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْقُرْآنَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait devant lui le Coran.
Pourquoi tout ça? C'est pour ancrer le Coran dans la mémoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour lui corriger, le corriger si jamais il a oublié quelque chose. Et il se peut que toutes ces possibilités étaient utilisées. Une fois un livre, l'autre livre, une fois ils vont lire tous les deux, et une fois c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui commence à lui réciter longuement, et Jibril alayhi sallam donc le corriger. Et peut-être il changeait d'une journée à l'autre, d'une année à l'autre, puisque ça se faisait chaque année. Et la dernière année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait mourir, il a révisé avec lui le Coran par deux fois, tout le Coran, ils ont fait deux khatmats. Et donc, d'une manière générale, le musulman doit maintenir le contact avec le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, si tu ne le tu maintiens pas le contact avec lui à travers la lecture, à travers sa méditation, il s'échappe de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim, soyez assidus à ce Coran, car par celui qui détient l'âme de Mohammed en sa main, il s'échappe encore plus vite que le chameau lorsqu'il se détache de ses liens. Il s'échappe de toi non seulement au niveau de la mémoire, mais même au niveau de la pratique. Lorsque tu ne lis pas le Coran, tu ne l'étudies pas, sa traduction en une pratique, tu risques de ne pas la faire. Deuxième partie du hadith, l'envoyé de Dieu était certes plus généreux que le vent. وَكَانَ أَجْوَدَ أَوْ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. Alors, Ibn Abbas, radiallahu anhu, compare la générosité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la générosité de rih. Rih, c'est le vent. Al-mursala, ça suppose trois choses. Mursala, ça veut dire que c'est un vent qui est fort. Donc, il est fort, la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ramène avec lui la pluie. Il est porteur de la pluie. Parce qu'on n'a rien à faire d'un rih qui va nous ramener des tempêtes. Mais lorsqu'il ramène la pluie, tout le monde attend la pluie pour les agriculteurs, ainsi de suite. Et troisième chose, c'est que c'est un vent qui se généralise. Ça veut dire qu'il va faire tomber la pluie un peu partout. Donc voilà comment il a comparé la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était rapide dans sa générosité. Il n'attendait pas. Quelqu'un qui a un besoin, avant même qu'il ne le dise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'aide. Il est généreux vis-à-vis de lui. Il est rapide dans sa générosité. Ça, c'est la première chose. Il est fructueux dans sa générosité. Donc le vent a ramené la pluie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne beaucoup, très généreux, donc il donne beaucoup, ce qui justement va rassurer et apaiser le demandeur. Et troisième chose, c'est qu'il généralisait sa générosité à tout le monde, aux riches comme aux pauvres, aux proches comme le lointain, et ainsi de suite. Il ne se contentait pas que d'une partie. Nous, on peut être généreux que vis-à-vis de notre famille, mais les lointains, on ne veut pas leur donner. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux avec tout le monde. Donc vous voyez là que la comparaison a été bien choisie par Ibn Abbas radiallahu anhu. Et d'ailleurs le prophète sallam était généreux à tout égard. Jabir ibn Abdullah dit sur lui, jamais on lui a demandé quelque chose et qu'il ait dit non. Jamais le prophète sallam lui dit non lorsqu'on lui demande quelque chose. Et je termine par le commentaire de l'imam Nawawi. Donc vous voyez le commentaire là, il va être un peu plus rapide lorsque le hadith est clair. Imam Nawawi donc il commente ce hadith là en disant: ce hadith incite à la générosité à tout moment et surtout pendant le ramadan, lorsqu'on se réunit avec les gens de vertu. Donc ce hadith aussi donc nous incite aussi à se réunir avec les gens de vertu. Il incite à rendre visite régulièrement aux pieux et aux bienfaisants tant que ceux-ci ne les dérangent pas. Donc, parce que le prophète rencontrait Jibril. Donc là ça suppose que nous aussi on doit rencontrer des gens qui sont plus pieux que nous, parce que c'est leur rendre visite souvent tant qu'on ne les dérange pas. Et cette visite là et ça c'est très important, on dit qu'on apprend. Imam Ibn Jawzi une fois a dit, en parlant d'un de ses maîtres, il a dit: j'ai appris de ses pleurs beaucoup plus que ce que j'ai appris de son savoir. Il a dit: je fréquentais un tel et j'ai appris de ses pleurs, c'est-à-dire lorsqu'il nous parlait, à un moment il cite Dieu ou là il cite un passage coranique et il s'arrête, il pleure, l'émotion qui le prend. Il a dit: j'ai appris de ses pleurs ce que je n'ai pas, beaucoup plus que ce que j'ai appris de son savoir. Donc c'est pour vous dire que la simple fréquentation peut nous donner de la force, peut nous donner de la piété. Il n'y a pas que le savoir. Et rappelez-vous l'imam Malik, lorsque sa mère l'a envoyé ses zuhri, il lui a dit: apprends de lui sa piété avant d'apprendre son savoir. Donc la fréquentation des savants, la fréquentation des pieux est quelque chose de très important. Ce hadith incite aussi à multiplier la lecture du Coran pendant le ramadan.
Et c'est beaucoup mieux que n'importe quel dhikr. Pourquoi? Parce que s'il y avait quelque chose de plus important que le Coran, il l'aurait fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Jibril l'aurait fait. Mais le fait qu'ils se soient contentés de réciter le Coran, la meilleure chose à faire pendant le Ramadan, c'est la récitation du Coran. Et parfois je m'étonne, une fois, des frères dans une autre ville, ils m'ont invité le Laylat al-Qadr pour me dire, est-ce que tu peux nous donner par Zoom une conférence sur le Laylat al-Qadr? Et parfois vous voyez les gens, ils viennent le Laylat al-Qadr et on fait des conférences dans la mosquée, une conférence. Mais la meilleure chose que tu puisses faire, c'est quoi? C'est la prière et la récitation du Coran. C'est pas la conférence, c'est pas le jour de la conférence. Avant Laylat al-Qadr, après Laylat al-Qadr, fais autant de conférences que tu veux. Mais Laylat al-Qadr, ça, c'est une nuit de travail. Même, on rapporte que l'imam Malik, lorsque le mois du Ramadan venait, il fermait ses livres. Il n'y a plus de cours. Les assises du savoir, il les arrête. C'est le mois du travail, c'est le mois de la prière. Voilà. Le mois de dhikr de qira'at al-Qur'an. C'est le mois du Coran, par excellence. Et donc ça, il faut qu'on l'apprenne. Le mois du Ramadan, c'est fait pour le Coran. Le maximum du Coran. Et donc ce hadith-là, on est une preuve. Et il dit, et il fait référence au mois où la révélation fut descendue en une fois au ciel le plus bas. Tout le Coran était descendu au premier ciel, et ça a été dit par Abdullah ibn Abbas, pendant le mois du Ramadan. Et il dit, et c'est ainsi qu'on répond à celui qui s'interroge sur la raison pour laquelle Bukhari a cité ce hadith dans ce chapitre. Puisqu'il s'agit du chapitre qui parle du début de la révélation. Donc voilà pourquoi ce chapitre a été cité, ce hadith a été cité. C'est parce que la révélation était venue pendant le Ramadan et la descente de Jibril alayhi salam était comme une célébration de l'anniversaire de la descente du Coran pendant le mois du Ramadan. Et donc le mois du Ramadan devient quelque part l'anniversaire de la révélation, l'anniversaire de la descente de la révélation. Et c'est pour cela qu'on doit donner beaucoup d'importance au Coran. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.